Cancer de Kate Middleton, son retour précipité par la couronne? Les langues se délient. Elle avait promis de revenir au travail. C'est chose faite. Alors qu'elle combat toujours un cancer. Kate Middleton reprend petit à petit du service. Et elle devrait faire partie des rassemblements de Noël à Sandringham. Mais pour certains, le retour de la princesse de Galles serait précipité. La famille royale lui imposerait-elle de faire son retour plus vite que prévu? Ce ne serait pas le cas selon un initié. En effet, Kate Middleton ne subirait aucune pression de la part de la couronne. Ce serait elle qui indiquerait vouloir faire son grand retour à Noël. Kate est sur la liste des invités du rassemblement de Noël de cette année. Elle a hâte de rejoindre ses enfants et sa famille pour célébrer les vacances, mais rien ne la pousse à y assister, indique la source. Bien sûr, tout le monde a hâte de la voir là, mais si elle ne se sent pas à la hauteur le jour J, la famille comprendra. Kate Middleton devrait donc faire partie des festivités de Noël, pour le plus grand plaisir de ses sujets. Il y aura un grand nombre de personnes présentes au dîner de cette année. Il a été testé dans la salle de bal pour la première fois l'année dernière et s'est avéré un grand succès. Donc cette année il se déroulera de la même manière, peut-on lire dans la presse britannique. Pour cet événement, un buffet sera servi aux membres de la famille. Il comprendra un rôti traditionnel accompagné de tous les accompagnements. Il faut dire que les derniers mois ont été difficiles pour Kate Middleton qui s'est éloignée des Britanniques. À cause de son cancer et de son traitement, les 9 derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue, confiait-elle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ainsi, son retour dans la famille royale est une bonne chose pour la princesse. Cette période nous a surtout rappelé à William et moi de réfléchir et d'être reconnaissants. Pour les choses simples mais importantes de la vie, que beaucoup d'entre nous tiennent souvent pour acquises.